Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les deux derniers matchs de ces phases de poule de la Coupe d'Argentine qui se joue en championnat, voilà, avec la zone B et la zone A. Là on joue du coup le deuxième de notre zone B à nous. Donc voilà, on est égalité de points, 25 points. Donc là si on gagne, on garde la première place. Si on perd, on perd la première place. Et ensuite dernier match contre le troisième qui est du coup Boca. Voilà. Ensuite, il y aura les matchs avec la sélection, mais on les passera. Voilà, c'est pas des matchs importants, c'est des matchs amicaux. Et du coup, ensuite, finale de Copa Libertadores. Normalement, tout dépendra s'il y a des matchs qui seront ajoutés au calendrier, les matchs de coupe. Je sais pas comment ça va fonctionner. Dans tous les cas, bon, de toute façon, ce sera dans le titre de la vidéo. Et également, j'ai fait des modifications encore de nouveau dans mes paramètres. En fait, j'ai fait un peu n'importe quoi dans mes paramètres. Donc du coup, maintenant, vous allez avoir pas mal... Enfin, les matchs risquent d'être un peu plus rythmés avec beaucoup plus d'appels de balles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avant, sur mon côté, j'avais pas forcément besoin de trop redescendre parce que bah, les joueurs ne montaient pas forcément. Et là, bah, déjà, vous pouvez le voir, regardez. Le numéro 35, là, derrière moi. Vous avez vu comment il monte, il fait des petits appels. Et du coup, bah déjà, ça change un peu tout. Ça sera également le cas hein, pour mon équipe à moi. Mais va falloir également que je me méfie par rapport à ça. Parce qu'avant, en fait, ça partait pas du tout dans mon dos. Là, vous pouvez voir, j'ai un coéquipier voilà, qui monte aussi. Donc là, ça va tout changer. Hein. Regardez. C'est là, ça change. Vraiment, ça change tout. Donc, je vous partagerai peut-être mes paramètres bientôt. C'est vrai que je les change quand même pas mal. Oh là 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 là, la petite frappe en dehors de la surface. Magnifique. Et ça fait 1-0 dès la 12e minute. La vidéo est sortie si vous voulez faire la même tête que Estrada Junior. L'épisode est sorti. Magnifique cette frappe là. Oh là là, la plus en vue à la première personne comme ça. On va la revoir. Petite interception de mon attaquant. Et ensuite... On contrôle un petit peu et ensuite, oh, magnifique, magnifique. Et j'ai également fait en sorte que maintenant les joueurs ne dribblent plus pour rien. Voilà, donc du coup ça sera beaucoup plus fluide en attaque aussi, que ce soit pour moi ou pour l'équipe adverse. C'est absolument pas là que je voulais la donner. Bon, je voulais frapper direct. Oh, je voulais frapper direct, mais alors par contre le pied gauche pour l'instant c'est pas trop ça. Ouh là 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 là. D'ailleurs, je peux également vous donner mon avis un petit peu de qu'est-ce que je pense de FC 25 maintenant que bon, ça fait pratiquement. Oh là 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 là! J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Avec les paramètres, vraiment, vous pouvez vraiment faire quelque chose de vraiment bien. Alors, je parle du mode hors ligne évidemment. Je vois aussi beaucoup de joueurs qui se plaignent en ligne. Alors moi honnêtement je m'en fous. Voilà, je sais qu'ils ont. Oh là là, ils ont patché un petit peu le speed boost, c'est ça? Le speed boost, ils l'ont patché, je sais pas trop quoi, ou même enlevé, je sais plus. J'ai vu ça un petit peu sur les réseaux. Moi j'avoue que je rigole un peu quand je vois des gens se plaindre un peu comme ça, parce que moi je suis pas un joueur qui joue en ligne, donc je m'en fous un peu de tout ce qui est vitesse, etc. Mais c'est vrai que si vous êtes un joueur carrière, honnêtement, normalement, bah vous devez kiffer. Hein. Et même si vous kiffez pas, vous changez un petit peu les paramètres. Et franchement, c'est nickel. Et en plus, maintenant, avec les paramètres, avec le nouveau FC AQ, vous avez aussi un paramètre dans les que vous pouvez modifier en mode tactique dynamique ou en mode tactique normal. Qui permet au coup, en gros, de demander aux joueurs si vous voulez qu'ils tacle beaucoup plus, si vous voulez qu'ils frappent beaucoup plus, ou si vous voulez que ça se fasse automatiquement. Et bah ça également si ça change tout, vous avez pu le voir au début du match hein, le nombre de fois où les joueurs ils ont tenté des frappes. Bah c'est... Pousse-toi! Oh là là, c'est quoi ce but? C'est quoi ce but? Oh what? Oh là là, le petit pont sur le gardien. Oh la boulette. Mais bon, ça me l'a pas accordé. Hein. But du gardien. Oh là là, par contre, les gardiens, ils sont bons. Hein. Vraiment, si on me pose la question, est-ce que FC 24, c'est un FC 25? Non, la réponse est non. Non, vraiment, vraiment c'est pas un FC 24. L'arbitre laisse l'avantage. Les IA se comportent pas du tout pareil. J'aurais dû... Oh, oui! Le premier but de la tête, je crois, d'Estrada.
3-0 à la 63e minute. Oh oui, 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 il y a eu de l'espace. Oh, let's go, let's go, 4-0. 4-0. Ah là, 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 il y a des buts. Hein. Là, il y a des buts. On va voir un petit peu comment ça se passait au niveau de la finale de Copa. Elle est magnifique, cette image. Et ben voilà, c'est une victoire 4-0. Et je crois que vous avez plus le son du jeu, donc je vais régler ça vite fait. Mais voilà, belle victoire. Donc, match de sélection, on va les passer. Voilà, c'est pas des matchs importants. On a fait 1-1. Avec le match de sélection, je le joue pas. Attendez, il y a un jour de repos. Non, mais oui, mais ça, c'est le problème quand t'es sélectionné et que tu joues en Argentine. Bon, on jouera pas le dernier match contre Boca. Oh, putain. Mais j'ai pas pensé à ça. Oh, et on perd 1-0. Cavani, il a marqué. Cavani, il a marqué. Ah, je voulais mon duel contre Cavani. Donc, du coup, et ben là, on part jouer la finale. Voilà. Et ensuite, c'est les quarts de finale, si je dis pas de bêtises, qui commencent. Voilà, c'est ça, quart de finale, c'est marqué tout en haut. Donc, on est parti. Est-ce que je vous montre un petit peu mes paramètres? Je vous montre mes paramètres. Voilà, juste avant la finale. Donc, on est en ultime, mode challenge. Et donc, j'ai enlevé la difficulté basée sur le joueur. Parce que du coup, les joueurs intelligents faisaient des dribbles un petit peu... voilà, pour rien. Donc, j'ai préféré l'enlever. Je vous avoue, bon, j'ai envie de le mettre pour la finale, donc on va le mettre, mais c'est vrai que c'est pas forcément très bien. Au niveau de l'option, donc on est en perso, effet du vent moyen, effet de la météo, oui. Vitesse de sprint 39, 50, 50. Erreur dans les frappes, on a mis 55, également pareil pour les IA. Erreur dans les passes, on a mis 55 également. Vitesse de frappe, on n'a pas touché. Vitesse de passe, on a réduit à 45. Fréquence des blessures, on les a réduits voilà, à 70. Et la gravité des blessures, on, par contre, on l'a augmenté. Voilà, vu qu'on a réduit le fait de se blesser, eh ben, on a augmenté quand même. Alors, je vous avoue que c'est un risque quand même, parce que 25, c'est quand même énorme. Donc, allez, on va le mettre à 30 en vrai. C'est vrai que j'étais un peu abusé. Niveau gardien, 55. Position du marquage, j'ai laissé à 50. Et là, c'est la fréquence des courses. Donc voilà, c'est ça que j'ai modifié. Avant, en fait, j'avais mis à 60. 70, il me semble. Donc, en fait, en mettant 70, bah, les joueurs ne faisaient pas d'appel. Donc, de base, c'est à 50. Donc, voilà, là, je l'ai mis à 40. C'est peut-être même un peu trop, en vrai. Voilà. Profondeur de la ligne, du coup, j'ai mis à 60. Étirement de la ligne, on a laissé par défaut, 50-50. Position des montées des arrières, on a mis à 60. Voilà. Mauvais contrôle, 55. On est parti. Finale de Copa. Libertadores. Allez, on est parti dans cette finale de Copa Libertadores. Let's go. Oh là 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 là. Oh là là, mais ce long ballon là, ça c'était pas mal ça aussi. Ça c'était pas mal. On perd un peu trop de ballon. Vous avez vu maintenant comment ça se projette et tout. Avant, on les faisait reculer et tout. Et là. Ça peut rien avoir. Hein. Bon, après, c'est peut-être l'équipe aussi qui est... Oh, lolo. Non. 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 Mais pourquoi je me prends des buts de merde comme ça? Oh, ce petit... Là, déjà, beaucoup de chance. Oh, non. Putain. Non, mais je pouvais pas me prendre un but normal. Il reste du temps, pas d'inquiétude. Allez, 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 choper le ballon. Aidez-le. Aidez-le. Voilà. Voilà, moi je suis là. Pas de problème. Faut que je la donne. Ok, et là. Oui. Du monde. Mon attaquant. C'était compliqué de la donner là. Ah, dommage. Allez, mon attaquant, faut pas qu'il perde trop de ballons. Voilà. Parfait. Alors, là par contre, c'est de ma faute. Ouais, je suis. Attention à cette passe. Bon ballon, il faut s'appliquer maintenant. C'est dommage parce que c'est. Putain. Aïe aïe aïe. Putain, faut que j'y pense que je suis pas un attaquant. Je suis pas un attaquant gauche. Je suis un milieu. Et que niveau finition, je pourrais jamais avoir la finition d'un attaquant.
Allez. Allez. Yes. Let's go. Voilà le... Bien vu. Bien vu. Ensuite, voilà, bien vu. Bien vu. Ensuite, la frappe. Pas mal, hein. Et pas mal la parade du gardien. Regardez-moi ça. Du pied comme ça, mais bon, ça rentre quand même. Regardez, là, je vais demander un centre. Vous avez vu, il me l'a pas donné. Bon, là, oui. Mais c'est ouais, rarement il te le donne quand tu le demandes, quoi. Putain, je suis vraiment content d'avoir pu trouver pas forcément les paramètres qui me correspondent, mais d'avoir un petit peu réglé le problème que j'avais au niveau du rythme des matchs. Il y a hors-jeu. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. Moi, je vous le dis, je suis partant pour que ça aille au pénalty. J'ai confiance en mon gardien. J'ai confiance. Je vous l'ai dit. Je vous ai dit. Ouh, vous voyez le mode difficulté basée sur le joueur. Qui, du coup, fait en sorte que les joueurs stars ou les joueurs dangereux fassent des dribbles ou voilà, la jouent intelligemment. Là, il a bien été utilisé. Dans le bon espace et tout. Oh non, par contre, non. Oh lolo. Il est chaud. Il va rester 10 minutes. En tout cas, j'aime beaucoup le scénario du match, cette finale où c'est tendu, on sait pas trop. On a voilà, deux bonnes équipes. Je suis tendu. Et c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. La circulation du ballon est rapide, les enchaînements sont bons. Sentir la pression comme ça là. Oh oui, 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 oui. Arthur, oui. Let's go. À la 89e minute. Et qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre pour donner ce trophée? Que le minot. Que le petit. Le fiston. Du fameux Pablo Estrada. Voilà, on espère que ce but, cette action va faire le tour du monde et va ouvrir des portes à l'Europe. Même si évidemment on intéresse déjà des clubs européens. Bon, avec tout le respect que j'ai pour Toulouse et Nantes, bon, c'est pas forcément le club que je vise en deuxième saison. Ah, je suis content quand même, il y a eu cette petite pression. Et c'est pas fini. Non, 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 non. Oui. C'est pas terminé, hein. C'est pas terminé. Oh, c'est second poteau. Oh, mon gardien, oui. Let's go. La saison de Pablo Estrada Junior, c'est simple. C'est le championnat argentin, la Copa Libertadores. Et il nous reste encore la Coupe d'Argentine. C'est pas terminé. C'est pas terminé, on va jouer après le quart de finale. Ah, j'ai bien aimé, franchement, j'ai bien aimé cette finale. Serré, mais rythmé. Oh là là, ce trophée. Oh là 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 là, ce trophée, il est magnifique. J'avais oublié, mais quel trophée. Quel trophée avec tous les clubs dessus. Oh, il est magnifique. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ça fait un peu vieux quand même, hein. Ça fait un peu vieux, hein. Si on coupe à moitié le trophée avec tous les noms des clubs, c'est un trophée normal, hein. Avec une espèce de boule, là, une planète, là. Mais je sais pas, j'aime bien. Il y a quand même ce truc avec le nom des clubs en dessous. Le padre doit être content. Le Pablo Estrada original. Il doit être content pour le fiston. Voilà, c'est ça qu'on voulait voir. C'est la photo. La petite photo avec le trophée. Et 52 matchs, 37 buts. Grâce à son but en toute fin de match, Estrada Junior a permis à son équipe de s'imposer. Et oui, là, ça parle de nous. Là, ça parle de nous. Arthur, oh là là, il méritait, homme du match. 37 buts en 50 matchs, c'est pas mal. C'est pas mal. 12 passes. Les quarts de finale de cette Coupe d'Argentine. Allez, on est parti. Ça redonne. Ok. Arthur, t'es prêt? Second poteau, oui, j'ai vu. Second poteau, la petite tête. Ok. Et quelle parade sur ce genre
action, c'est difficile. On est pas mal. Alors, ça arrive quand même assez souvent, mais j'étais super content de tourner cet épisode. Ah, je suis vraiment... Bon, il y a la victoire en Copa, évidemment, mais j'ai passé un super moment aujourd'hui à tourner l'épisode. Ouais, je sais, Arthur, j'aurais dû te la donner, mais j'ai voulu forcer un petit peu. On a le corner, et vu que t'es grand, je te laisse que ce soit bien tiré. Bon, c'est un peu mal tiré, en tout cas, c'est pas sur toi, ça va revenir. Ça va revenir. Hop là, je te la donne. Vas-y. Ok. Arthur, c'est pour toi. Arthur ? Dommage. Cette fois, on va pas perdre le ballon. On va lui donner. Voilà, parfait. Allez. Vas-y, vas-y, va chercher le centre. Oui. Ouais, mais non. Non. En tout cas, c'est fou. Hein. Les paramètres commencent à changer. Hein. Ça a changé vraiment tellement les choses. Ah, bonne circulation là pour déstabiliser la défense. Ils laissent leur numéro 10 là. C'est, ouais, c'est le joueur le plus dangereux hein, chez eux. C'est la mi-temps. Bon bah pour l'instant 60e minute, toujours 0-0. Hein. Je sais pas si ça va au tir au but, si ça va aux prolongations, si on rejoue le match. Je pense pas qu'on rejoue le match, mais il y a moyen que ça aille peut-être au tir au but direct. Hein. Oh, c'est pas mal ça. Et frappe direct. Oh non, ah, j'aurais tenté la frappe moi. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Par contre c'est là. Si on va aller chercher, on va aller chercher, bien sûr. Arthur, faut t'es mal placé là. Ah oui mais non. Là tu te places mal. Oh la frappe, ouais. Là, donne. Boum. Non, trop tard. Voilà, on tarde un peu là. On tarde un peu. Il reste 10 minutes. Hein. Oh non, je suis remplacé. Oh là là. Retour à la réalité. Retour à la réalité. Là, le coach, il me dit, hey, frérot, t'es pas un cadre ici. T'es pas un cadre ici. Tu restes un petit minot. Non, mais je suis dégoûté. Ben on va regarder la fin du match. Non, on va la jouer RP. Oh là là. Mais oui. Fais-moi rêver. Oh oui. Fernandez. Il y a Arthur qui arrive dans la surface. Dommage. Allez, ça balance. On récupère. Dommage. Attention, hein, Gonzalez, hein, le numéro 10 là. Attention. Hein. Voilà, parfait. Fernandez. La petite talonnade. Ok. Villagra. Attention, pas trop se précipiter. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Ah, je crois que c'est mort, ça va partir soit en prolongation ou au tir au but. Bon, je pense que c'est en prolongation en vrai. À moins que. À droite. Attention à pas trop en faire. Oh. Oh là là. On va... L'arbitre est gentil, il nous donne le corner. L'arbitre, il est gentil, il nous donne le corner. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien quand c'est de notre côté, évidemment. Quand c'est de le côté adverse, j'aime pas. Mais l'arbitre, maintenant, quand il y a un corner, même si c'est la fin du match, il te laisse quand même le corner. Bon, c'est vrai que quand c'est l'équipe adverse, bon, ça fait un peu chier. Mais... Oh! Oui! Let's go! Oh là là, c'est exceptionnel! Oh, c'est exceptionnel les scénarios des matchs! Oh, monsieur l'arbitre, merci! Hein. Là, je suis l'équipe adverse, je pète un plomb! Hein. Je pète un plomb! Hein. Oh, bordel! Alors déjà j'ai eu peur qu'il siffle un pénalty qui était pas un... Okay, il y avait pas forcément faute. Let's go. On a eu chaud. J'ai kiffé quand même. Et Boca qui a perdu. Boca qui est éliminé par le club de Lionel Messi, hein, je crois. C'est là-bas où il a commencé, le Lionel Messi, il me semble. Je suis pas sûr. Hein. Ah ouais, c'est la surprise quand même. Hein. Boca qui est éliminé. Estrada Junior n'était pas dans son match aujourd'hui. Oh, j'ai pas fait un match dégueulasse non plus. Hein. Christine, t'abuses. Eh bien, écoutez, on se donne rendez-vous très vite pour la demi-finale et je l'espère la finale de cette Coupe d'Argentine. N'hésitez pas à lâcher votre petit like. Vraiment, et je vous le dis, c'est mon épisode préféré. Voilà, c'est mon épisode préféré depuis le début. Qu'on a commencé. Honnêtement, ça y est, j'ai trouvé les paramètres qu'il me fallait. Vous avez vu, les matchs, ils sont rythmés. Bon, on va pas s'enflammer. On va voir
ce que ça va donner dans d'autres championnats, avec d'autres clubs, etc. Mais franchement, je suis content de ce qu'on a pu faire, 52 matchs, 37 buts, c'est quand même pas mal pour une première saison. Ça annonce que du bon. À très vite. Ciao tout le monde.